La reine solaire a vieilli. Ça ne marchera pas. Endurance. Ils sont en train de le détruire. Ils leur servent à quoi d'abord? Ils savent tout de suite. Passe commande, on exécute, sans poser de questions. Si on a déjà livré tous ces portables la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils prévoient? Éclairer un stade ou quoi? Premier de te taire, mon frère, ne parle pas comme ça. Reste bien stable, on le remonte. Qu'est-ce qui se passe au palais, à votre avis? C'est quoi cette fumée au-dessus de la montagne? Hein? Il y avait un problème, il nous appellerait. Ouais, mais la radio, il n'y a pas eu un signal de toute la nuit. Il se passe quelque chose. Je t'ai dit de te taire, mon frère. Arrête de te taire. Attends, c'est quoi, c'est? Putain, c'est pas vrai. Tu te pars dans le dos. Mon frère, arrête. Je suis pas ton putain de frère. J'en peux plus, cet endroit. J'en peux plus de passer mon temps à récupérer ses mères. Faut qu'il a tenté tout ça pour quoi? J'ai besoin de renfort! On a un avantage de monter! Yeah!
rapport d'expédition. Notre... Galère, est-ce que tu allais te fourrer? Lara a entièrement raison.
point de départ. J'arrive à grimper pour essayer de débloquer. Thank you.
Alex. Tu as les outils. Ah, enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, oh, désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Alex, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer! Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont tué. Vas-y. Un vieux journal. Rapport d'expédition. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Thank you.
texte daté de Magicis. Autrement dit... Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex ? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île... autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes pris au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Thank you.
regarde tous ces cadavres. Pas si fort. Léonie sont là. Oui. Tu veux qu'ils le trouvent. Fermez là. Continue à chercher la fille. Peu après la découverte du tombeau. Yeah.